والآن مع كلمة معالي السيد سيريني بايتيام وزير المياه والصرف الصحي لدولة السنغال ورئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى العالمي التاسع للمياه داكار 2021. Excellence Dr. Abdel Atti, ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation de la République arabe d'Égypte. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants et représentants des institutions multilatérales gouvernementales, du secteur privé et de la communauté scientifique, Mesdames, Messieurs, chacun et chacune d'entre vous en ses rangs, titres et qualités. Je suis très honoré et reconnaissant à ma qualité de ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal pour l'invitation à l'édition 2021 de la Semaine de l'Eau du Caire. Permettez-moi avant tout de vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles de Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à son ami et frère Son Excellence M. Abdel Fattah Al-Sissi, président de la République d'Arabe d'Égypte. Ces salutations s'adressent également au gouvernement et au peuple de cette grande nation d'Égypte. Je voudrais également remercier mon ami et frère, le docteur Mohamed Abdel Atti, ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation de l'Égypte, pour ses délicates attentions et pour la bonne organisation de ce grand événement dans un contexte très particulier, mais surtout pour son soutien au processus préparatoire du 9e Forum mondial de l'eau de Dakar. Comme vous le savez, le Sénégal reste profondément attaché à sa coopération exemplaire avec les États arabes, la Oumma islamique et de façon générale et particulièrement avec la République arabe d'Égypte. Le thème de la Cairo Veto Week 2021, eau, population et changements globaux, défis et opportunités, est d'une grande actualité et s'inscrit en droite ligne avec les priorités du 9e Forum mondial de l'eau que le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau organise du 21 au 26 mars 2022 à Dakar. Excellences, Mesdames et Messieurs, la question des ressources en eau, de leur conservation et de leur utilisation dans un contexte de croissance démographique et de changements globaux est un défi majeur pour la survie des populations vivant dans les zones arides et semi-arides. En effet, depuis des millénaires, les sociétés humaines de ces zones ont dû construire des connaissances et développer des techniques pour s'adapter à leur environnement. L'édition 2021 de la Semaine de l'eau du Caire nous invite à réfléchir au rôle clé de la sécurité de l'eau dans le développement, la consolidation de la paix et la résilience des régions où les ressources en eau sont limitées. Il est important de rappeler que les zones arides et semi-arides de la planète constituent un laboratoire grandeur nature pour comprendre la crise climatique et bâtir des réponses efficaces et durables. Globalement,
La réponse au dérèglement climatique passe par la mise en œuvre de l'ensemble des objectifs de l'agenda 2030, ce qui nécessite une approche holistique en vue d'une utilisation efficace de chaque goutte d'eau pour assurer la sécurité alimentaire, développer les activités humaines, préserver la santé de l'homme, préserver la nature et mettre en place des mécanismes de riposte robustes contre les pandémies. Le changement climatique est aujourd'hui au cœur des débats et la plupart des États du monde sont confrontés à des défis sécuritaires et stratégiques liés à la rareté des ressources en eau. Le changement climatique a de graves répercussions sur la vie et les moyens de subsistance des populations, en particulier celles qui vivent dans les pays les moins avancés. Il est temps de regarder la réalité climatique en face. Nous devons agir de toute urgence pour garantir la sécurité de l'eau pour l'homme et la nature. Dans quelques jours, le monde sera à Glasgow pour faire avancer l'action face au changement climatique. Ce sera l'occasion de travailler pour une reprise en compte de la crise de l'eau en lien avec la crise climatique. Compte tenu des nouveaux enjeux et défis liés à la sécurité de l'eau dans le monde, le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau, en organisant le 9e forum, entendent donner une dimension politique particulière à l'eau, notamment pour la construction de la paix, pour le développement et pour la résilience socio-économique, particulièrement dans ce contexte particulier de la pandémie à COVID-19. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 9e Forum mondial de l'eau de Dakar, placé sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, entend apporter des réponses concrètes aux défis de la sécurité de l'eau. L'ambition du Sénégal est d'organiser un forum efficace au niveau social, politique et économique, un forum qui soit un catalyseur d'action pour accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Un forum connecté aux agendas et engagements mondiaux liés aux objectifs de développement durable. Ainsi, dans le but de placer l'eau au cœur de l'agenda politique international et afin de donner une dimension stratégique à l'engagement du Forum Dakar 2022. Le président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, organisera un sommet des chefs d'État, de gouvernement et des grandes institutions internationales. Le gouvernement du Sénégal serait très heureux de compter parmi ses invités à ce sommet à l'occasion du forum, Son Excellence le président de la République arabe d'Égypte. Ce sera l'occasion de lancer un engagement politique historique en faveur de l'accès à l'eau et à l'assainissement et de renouveler l'engagement en faveur de la décennie d'action pour l'ODD6. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré la pandémie, la préparation du 9e Forum mondial de l'eau avance globalement bien. Après 2 années de concertation intensive, les groupes de travail ont présenté leurs propositions lors de la 2e réunion des parties prenantes tenue les 14 et 17 octobre 2021 à Dakar. L'occasion a également été saisie pour mettre en synergie les résultats des travaux des groupes avec les différents segments, segments politiques, segments ministériels, segments parlementaires, segments autorités locales et territoriales et organismes de bassin. L'élan politique ainsi obtenu
nous permettra de nourrir significativement, avec les résultats du Forum de Dakar 2022, la Conférence des Nations Unies consacrée à l'examen à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la décennie internationale d'action sur le thème « L'eau et le développement durable », conférence de mars 2023. Il me plaît de rappeler que le Sénégal travaille en étroite collaboration avec l'Égypte pour une meilleure participation des acteurs de l'Égypte, de la Ligue arabe, du monde arabe et de la région MENA au Forum. Cette collaboration étroite avec l'Égypte sera matérialisée par un mémorandum d'entente que le ministre, le docteur Mohamed Abdel Atti et moi-même allons signer au cours de cette semaine de l'eau du Caire. C'est pourquoi je reste convaincu que les conclusions qui se dégageront de la présente édition de la Semaine de l'eau du Caire contribueront sans aucun doute à enrichir le contenu et l'agenda du 9e Forum mondial de l'eau de Dakar. Le Sénégal est prêt à accueillir le monde entier en mars 2022 à Dakar pour ensemble construire la résilience de l'humanité face aux crises multiformes de l'eau. Nous attendons à cet égard une contribution significative de l'Égypte, pays frère et ami du Forum à Dakar. Pour finir, je voudrais féliciter à nouveau, au nom du Sénégal et à mon nom, le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation de la République arabe d'Égypte pour cette excellente initiative instituant la Cairo Water Week comme un événement international de référence visant à améliorer la gouvernance durable et solidaire des ressources en eau dans le monde. Je vous donne rendez-vous tous à Dakar en mars 2022 pour réaffirmer ensemble l'importance de l'eau pour la paix et le développement. Je vous remercie de votre écoute attentive. شكرا لمعالي سيغيني بايتيام وزير المياه والصرف الصحي لدولة السنغال.